Bonjour, Frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon lundi. Votre chef à la maison qui entre dans la caille. Moi, dis-nous un grand merci parce que nous avons suivi. Moi, prends un petit temps pour me saluer quelques amis qui ont écouté ma Sénégal. Moi, dis-nous un grand merci. Hein, ou très loin. Moi, content. Pas oublier par des amis de chaîne. Non. Et aussi, saluer tous les compatriotes qui sont ensemble avec vous, l'autre bois, au Sénégal. Merci parce que vous êtes abonné. Je dis à la moi, faire un petit pain de maïs pour nous. Ok? Tu pain petit pain de maïs que moi le faire moi besoin demi bloc beurre on a moins moi fait la main moi mettre 2 tasses de sucre dans beurre moi le commencer blanchir beurre ok et ajouter 3 œufs entiers là dedans moi changer fouet ok bon moi prendre une zizette moi vite parce que là regarde. Encore avec foyer parce que moi voulais pour nous gagner confiance et pas parce que moi même moi pas fait avec foyer sinon on fait la canoë avec frère nous on pense nous pas prêt ici donc moi voulais absolument faire même j'en nous capable de faire ok on a là sucre moi commence et diminuer quasiment à 50% moi gagne 3 tasses de lait ok non 2 tasses de lait pardon moi gagne 2 tasses de lait. Moi, mettez un peu là-dedans tout de suite pour m'aider sucre à fondre plus vite. Ok? J'ai 2 graines de banane écrasées. Ça nous les figues là. Moi, tout mettre là-dedans pour le craser aussi. Lorsque moi senti sucre là quasiment fondre, même à y mouler un, et puis moi, j'ai une tasse farine. Ok? Moi, je commencer avec vous-même. Moi, mettez un peu de maïs moulin. En ce qui concerne les maïs moulins, il y a des gens qui prennent maïs moulins fin, ou qui doivent prendre maïs moulins fin aussi, c'est correct. Okay? Mais si vous prenez maïs moulins de cette grosseur-là, pas trop gros, mais maïs nous qu'on fait maïs moulins collés, mais pas maïs moulins gros tête. Là. La fait la job aussi, nous allons regarder pour nous. Ok? Mettez aussi moitié farine, quittez une tasse de farine. Moi, quittez tirer ça, parce que cela donne moi pour le mettre pour l'élévation. Ok? On a mettre restlet là moi mettre un petit gingembre frais qui capable yon cuillère comme ça ok mon te gen mettre gingembre en poudre ok mettez un quart de rhum un quart d'essence vanille on continue là encore on pas besoin inquiéter nous pour recette tout à en bas vidéo y a écrit. Quand on regarde des vidéos, si toutefois que vous remèlez, ou qu'à like et puis pas oublier abonner, ok? Et puis moi mettez une autre tasse de maïs, hein? Pas oublier c'était 3 tasses de maïs. Hein? Avant dernier lieu, moi mettez reste farine là, qui gagne 3 teaspoons de poudre d'élévation là-dedans. Et puis moi brasser lui. Si vous voulez là. Gen moun ki fè yo, nou mette kokoye. Mwen mèm mwen pa mette kokoye. Pou ki sa mba mette kokoye? Paske nou gen jenjam lan ki fò. Lèm di fò, sa vle di yon gou ki tre prononse. Nou gen banan nan osi ki tre prononse. Plus kokoye prononse. Donk, trop de chose prononse, mwen jist fèl avèk banan nan. Epi kon nan la, an tout denye lye, mwen mette yon ti lè kondanse la dan, ki se yon tasse. Mettez une cuillère de cannelle aussi. On va mettre muscade. Pincée de sel et voilà. Qu'on a là moins pour le fini là qu'on a va mettre dans moule, OK? Qu'on a là moi préchauffer four moi, va le préchauffer four moi à 350 et puis m'a mettre long bon 45 minutes et puis ça va être prêt, OK? Même mettez gâteau de maïs moulin dans moule là. Qu'on a la moins préchauffé format 350, moi pour le mettre dans le four 45 minutes, ok? Gâteau après qu'on y a là, moi pour le sauter, ok? Là moi mettre 1 heure et quart, ok? Moi le montrer non bagay. Généralement n'importe gâteau nous fait, il toujours dit nous, faut nous peser, faut nous entrer un couteau la mi-temps pour nous voir est-ce qu'elle sorti mouillé pour nous continuer le cuit. Gâteau. Les mouillés. Les mouillés.
c'est pas parce qu'elle pas cuite, c'est parce que c'est un maïmon lié, nous déjà connaissons ça déjà, qu'on y a là, on va le rentrer là-dedans encore, qu'on a là, mettez là en température très basse, ça veut dire, il n'y a pas 350 encore, la panique seulement à 170, ça veut dire le minimum, et puis qu'on a là, on quitter le sécher tranquillement en dedans froid, d'accord? Et puis c'est tout. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prête là, parce que nous avons une coloration, c'est pas fait. Qu'on en a quitté l'andal pour aller doucement. D'accord? Mais pas maïa, ok? J'aime de dire non, nous sommes, je l'aime de faire là. L'aime de mettre le cuit, moi te dis non que je vais mettre là 350, 45 minutes, c'est pas vrai. Il prend plus que 45 minutes. Il prend 1 heure de temps et 10 minutes. Ok? Ça veut dire qu'il prend 70 minutes. Dans la qui ça me définit fait, après et 1 heure de temps, qu'on a la moins diminuer feu à moins mettre à 150 à la place des 350 et puis me quitter tranquillement et puis me faire mes différents là-dedans me faire mes fois et puis chaler à commencer à venir faire le sécher on a fini sécher qu'on a mettre dans le frigidaire bien frais qu'on a la moins pour le montrer non ok mais puis Maria moi j'ai tant coupé là regarde-moi ça waouh c'est bien fait ça vraiment agréable ok recette ça c'était la reine de cette fois qui t'a demandé de et puis moi fait le pour lui. Ou que nous avons fait avec Maï Moulin fait. Mais c'est tellement, c'est vraiment beau. Je t'ai bien vu pour me présenter un assiette avec elle, même le fait que je ne suis pas gagné assez de bagages là, je ne vais pas acheter, je ne vais pas prévoir ça. Mais c'est ça. Je perds de Maï Moulin. C'est beau, c'est bon. Et c'est très bon. C'était JFL, Cuisine Créole, Jean-Fédolin, votre chef à la maison.